maintenant 95.2 FM, bienvenue pour cette revue de presse interactive. J'espère que vous allez bien, c'est Morgane avec vous aujourd'hui. Sachez que vous pouvez nous écouter également grâce à internet sur le site ici et maintenant.com et même grâce au canal 9A de la RNT et d'ailleurs de façon continue 24 heures sur 24. Donc et dès maintenant, n'oubliez pas que vous avez cette possibilité aussi de vous connecter sur le forum de la radio, le forum.fm, donc un espace où vous pouvez échanger avec les auditeurs sur différents sujets. Mais pour l'émission d'aujourd'hui, eh bien dans la rubrique revue de presse interactive, vous allez pouvoir partager vos différentes réflexions par rapport à ces nombreux sujets que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et oui, hier malheureusement, suite à un souci technique de la part de notre prestataire téléphonique, nous n'avons pas pu avoir de réaction et d'appel de votre part. C'est pourquoi eh bien, nous allons revoir la suite des sujets que nous avions vus hier et comme ça aujourd'hui, eh bien, puisqu'on voulait savoir votre avis, vous allez pouvoir le partager avec nous et nous verrons aussi d'autres thèmes d'actualité ensemble et également nous serons accompagnés avec ces extraits audio des différentes discussions qu'il y aura eu par rapport à ces thèmes que nous verrons au fur et à mesure de l'émission ensemble. Donc aujourd'hui, tout d'abord, puisque aujourd'hui nous sommes le 15 août et que c'est un jour férié, d'abord quelques explications concernant ce fameux 15 août que célèbre donc la fête chrétienne de l'Assomption. Il est férié depuis 1638 à la décision du roi Louis XIII, et oui, c'est l'un des 11 jours légalement fériés de l'année listés par le Code du Travail. Le 15 août férié est la survivance de la fête chrétienne de l'Assomption qui célèbre Marie, à ne pas confondre avec l'Ascension. L'Assomption donc correspond à la montée au ciel de la Vierge et l'incarnation de la résurrection des âmes et des corps. Pourquoi le 15 août? Eh bien, traditionnellement, le 15 août est un jour de célébration pour les catholiques. La date est devenue fériée en 1638 sur décision du roi Louis XIII. Il souhaitait alors remercier la Vierge d'avoir réalisé son souhait d'avoir un enfant, celui qui deviendra donc Louis XIV. Mais la date du 15 août en elle-même ne doit rien au hasard. Je cite, si l'Église a fixé la date au cœur de l'été, c'est parce qu'elle est la fête du temps des moissons, donc la fête du temps où l'on s'arrête, où il y a un point d'équilibre entre le printemps et l'hiver, le soleil est à son zénith, les fruits sont abondants, la fécondité est à son maximum, tout cela symbolise Marie. C'est ce qu'explique un historien des religions dans une interview ce matin accordée à France Info. Et donc il faut quand même faire attention à ne pas confondre l'Assomption avec l'Ascension. La fête de l'Assomption, célébrée donc le 15 août, comme je vous le disais, ne doit pas être confondue avec la fête de l'Ascension, célébrée un jeudi 40 jours après Pâques. À la différence de l'Assomption, l'Ascension marque en effet l'élévation de Jésus-Christ, comme voilà, vous devez sans doute déjà le savoir, mais un petit rappel donc par rapport à ce jour qui est donc férié aujourd'hui, 15 août, c'est férié, mais nous sommes là bien sûr avec vous sur 95.2. Et donc hier nous avions abordé tout de même des sujets assez intéressants. On va voir ce qu'en est la suite de ces sujets par rapport à cette guerre commerciale donc entre la Turquie et les États-Unis. Et bien suite du feuilleton, la Turquie augmente les tarifs douaniers de plusieurs produits américains face aux sanctions américaines. Donc le président turc a ordonné de relever considérablement les droits de douane sur plusieurs catégories de produits américains, notamment les voitures, l'alcool
et le tabac. Vous allez pouvoir en discuter avec nous sur 95.2 bien sûr, et on développera le sujet dans quelques instants, mais je poursuis bien sûr les autres sujets également qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Hier nous avons parlé de l'Aquarius, et bien il faut savoir que le navire humanitaire Aquarius est attendu en début d'après-midi, enfin aujourd'hui, à Malte, où il a été donc finalement autorisé à se rendre après avoir erré plusieurs jours en Méditerranée avec 141 migrants épuisés à son bord. On va essayer d'en savoir plus, donc comme je le disais tout au long de cette émission, et vous aurez toujours cette possibilité d'intervenir et de partager vos différentes réactions avec nous. Le changement d'heure, est-ce que ce serait bientôt l'heure du changement, c'est-à-dire de ne plus changer l'heure d'été et d'hiver? Eh bien, on en parlait également hier. Vous avez cette possibilité également de partager votre avis là-dessus sur un site internet que je partagerai avec vous. Et il faut savoir que le référendum européen va prendre fin demain. Autre sujet aussi concernant l'alimentation, eh bien par rapport aux fruits, aujourd'hui un goût pas toujours à la hauteur des prix. Il faut savoir que moins d'un Français sur trois se dit satisfait du goût des fruits vendus en supermarché, selon une étude que nous allons développer un peu plus tard. Et un autre sujet également très intéressant par rapport à la Tunisie, qui se prépare à une révolution en matière d'héritage. Le chef de l'État tunisien va déposer donc un projet de loi instaurant l'égalité successoriale entre hommes et femmes. La Tunisie va donc débattre sur l'égalité homme-femme devant l'héritage, car la loi actuelle basée sur le droit islamique prévoit qu'un homme hérite du double d'une femme. Une disposition qui transgresse un tabou religieux, et on va voir aussi qu'il n'y a pas qu'en Tunisie que les femmes sont discriminées lors d'une succession. Et voici donc en bref les principaux sujets que nous allons aborder ensemble pour cette revue de presse. Vous allez donc pouvoir intervenir dans quelques instants, mais on va tout d'abord commencer à développer ce sujet concernant la Turquie, donc, qui augmente les tarifs douaniers de plusieurs produits américains. Donc la Turquie a annoncé aujourd'hui l'augmentation des tarifs douaniers de plusieurs produits en provenance des États-Unis, répliquant à une mesure similaire prise par Washington sur l'acier et l'aluminium sur fond de fortes tensions entre les deux pays. Je cite, les taxes à l'importation de certains produits ont été augmentées réciproquement aux attaques délibérées de l'administration américaine sur notre économie. C'est ce qu'a tweeté le vice-président turc Fuat Oktay. Cette augmentation des taxes à l'importation a été annoncée par un décret signé par le président Recep Tayyip Erdogan et publié au journal officiel. Pour savoir quels sont les produits concernés, eh bien, une large gamme de produits sont concernés, comme les véhicules de tourisme, dont les tarifs douaniers s'élèvent désormais à 120%, certaines boissons alcoolisées 140%, le tabac 60% ou encore le riz et certains produits cosmétiques. D'après l'agence de presse étatique turque
Anadolu. Ces nouveaux taux représentent un doublement des tarifs qui existaient jusqu'ici. Cette décision survient au moment où les relations entre Ankara et Washington sont au plus bas, du fait notamment de la détention en Turquie pendant un an et demi d'un pasteur américain désormais assigné à résidence dans le cadre de mesures de rétorsion allant crescendo. Donc le président américain Donald Trump avait annoncé, c'était vendredi, souvenez-vous, le doublement des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Cette mesure a accéléré la chute de la devise turque qui a perdu le même jour 16% face au billet vert. Le président turc avait annoncé, c'était hier, que la Turquie boycotterait les appareils électroniques américains, poursuivant une escalade des tensions avec les États-Unis et mettant au supplice la livre turque. Je cite, « S'ils ont des iPhones, il y a des Samsung de l'autre côté », a-t-il déclaré. Et oui, donc la situation est tendue entre Donald Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Vous avez évidemment cette possibilité de partager votre opinion avec nous sur ce thème avant que nous approfondissions les autres sujets également de l'actualité d'aujourd'hui. Vous avez la parole donc en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Rien ne va plus entre les alliés turcs et américains. Recep Tayyip Erdogan accuse les États-Unis d'avoir comploté contre son pays, ce qui aurait, entre autres, provoqué l'effondrement de la livre turque. Est-ce que c'est un scénario vraiment envisageable ? Oui, il est tout à fait envisageable. Il n'est pas nécessaire de comploter. Une simple déclaration suffit évidemment à provoquer ce genre de d'effondrement. On l'a vu notamment avec la Russie qui, après l'annonce de nouvelles sanctions par les États-Unis, a également vu le rouble baisser dans les bourses. Donc oui, effectivement, on sait que les marchés financiers sont très sensibles aux réactions de certains dirigeants politiques. Donc sans aller jusqu'à parler de véritable complot, on peut dire qu'il y a clairement aujourd'hui une confrontation entre ceux qui sont censés être des partenaires, à savoir en l'occurrence la Turquie et les États-Unis. Vous le disiez, ce sont deux alliés. Comment expliquer la dégradation des relations entre ces deux pays ? La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. Oui, c'est un allié extrêmement important pour les États-Unis au Moyen-Orient. C'est un allié aussi de poids pour l'Europe. Donc on ne peut pas aujourd'hui, compte tenu des multiples crises et sous-crises qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Moyen-Orient notamment, et on pense naturellement à la Syrie, on ne peut rien faire sans la Turquie. Je pense que la dégradation généralisée de la situation géopolitique et la recomposition qui est en cours invite les uns et les autres à plus de sang-froid et de responsabilité. Et puis on voit que le président américain est un homme extrêmement instable sur le plan du caractère et pas très clair sur les visées géopolitiques de son pays qui sont aussi très très conditionnés par son comportement. Donc ça provoque évidemment beaucoup de questions. Et puis cette proximité qu'il y a pour cette convergence de vues entre ce trio Turquie, Russie, Iran, évidemment ne peut pas plaire aujourd'hui aux locataires de la Maison-Blanche. Donc je pense qu'il y a un faisceau
aujourd'hui de tension qui est en train d'exploser et qui pourrait provoquer des tensions encore bien plus importantes si on ne parvient pas à stabiliser la situation et à trouver à minima un accord et un compromis, notamment sur le dossier principal qui est celui de la Syrie. Vous pensez que la Turquie peut tourner le dos à ses alliés traditionnels et peut-être se trouver de nouveaux soutiens du côté de la Russie ou de la Chine, par exemple ? Déjà, avec la Russie, il y a clairement des convergences. Hein. On voit que le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est aujourd'hui à Ankara. Il va rencontrer son homologue Mevlut Çavuşoğlu. Donc, ils vont avoir évidemment beaucoup de choses à se dire. La hantise aujourd'hui de la Turquie, c'est de voir arriver de nouveaux réfugiés. C'est le pays qui abrite le plus de réfugiés syriens au monde, 3,5 millions de personnes. Quand on voit les conséquences qu'ont sur l'opinion européenne et d'une manière générale occidentale l'arrivée de quelques centaines de migrants sur nos côtes, on n'imagine pas un tel afflux sans que cela ait des conséquences. Donc pour la Turquie, évidemment, il est fondamental de tenter de stabiliser la situation sur son flanc est, et elle ne peut le faire qu'avec le soutien et l'aval de Moscou. C'est probablement ce qui est en train de se négocier, de se discuter aujourd'hui à Ankara. Alors, en raison de cette chute de la livre turque, les tarifs douaniers américains sont en nette augmentation. Est-ce que cette guerre commerciale, est-ce qu'elle n'est pas en train de provoquer une guerre des monnaies du côté des pays émergents ? C'est probable, à ceci près qu'il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, la majorité de la dette américaine est détenue par la Chine. Alors oui, on a vu effectivement la Maison Blanche prendre des décisions, imposer des droits de douane extrêmement élevés aux produits chinois qui entrent sur le territoire américain. Les Chinois ont appliqué des mesures de rétorsion, ce qui est légitime. Et donc aujourd'hui, on est entré dans une escalade. Mais ce n'est pas simplement avec la Chine. On a la sensation, compte tenu des faits, hein, c'est plus qu'une impression, que les États-Unis vont entrer en guerre, au moins sur le plan commercial, contre le reste du monde. Donc cette forme d'isolationnisme commercial ne favorisera pas, évidemment, l'économie américaine. Et probablement, on va assister à la naissance de fronts nouveaux ou de recompositions géoéconomiques ou géopolitiques qu'on n'avait pas vu venir jusque-là et qui sont surtout le fait de l'instabilité de M. Trump, qui semble être très très conditionné par ses humeurs et non pas par les intérêts de son pays, ce qui évidemment pose aussi beaucoup de questions aux vieux partenaires européens des États-Unis. On pense notamment à la France et l'Allemagne, qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à discuter avec M. Trump. Vous pensez que cette agressivité de Donald Trump, elle va mener à la perte des États-Unis ? Non, il ne faut pas aller jusque-là quand même. Les États-Unis restent un grand pays en termes de science, en termes de recherche. Sur le plan militaire, c'est quand même une grande puissance. Sur le plan économique, donc je ne pense pas. Je pense que simplement, Donald Trump est en train d'affaiblir son pays et de diviser sa société. Parce que tous les Américains, évidemment, ne partagent pas les positions adoptées par Donald Trump. Et je pense qu'il y a là, si je puis dire, une chance, une opportunité pour les Européens de se constituer à la fois comme alternative politique, mais également de se constituer en Europe de la défense pour être un contrepoids et un interlocuteur nouveau compte tenu de nos pratiques et de nos traditions. Je pense qu'il est maintenant largement temps d'aller vers cette Europe de la défense. Il y va aussi de nos intérêts et on ne pourra les défendre qu'à 27. Et si ce n'est pas à 27, il faut le faire à 15. Peu importe, mais c'est extrêmement important aujourd'hui d'aller vers cela, compte tenu de l'affaiblissement des États-Unis. Ici et maintenant, 95.2 FM, donc interview avec Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'IPSE, qui est revenu sur la dégradation des relations américano-turques au moment où Recep Tayyip Erdogan multiplie donc les attaques verbales contre Washington, qu'il accuse d'être à l'origine de l'effondrement record de la monnaie turque. On va essayer de voir, bien sûr, ce qui s'est dit également ailleurs sur ce thème, mais ce qui nous intéresse
importe le plus, c'est de connaître vos différentes réactions face à cette actualité. Et donc, nous avons appris que la Turquie retourne l'arme des tarifs douaniers contre les États-Unis. Donc, Ankara a décidé d'augmenter les tarifs douaniers ce matin, pour être plus précis, les tarifs douaniers de plusieurs produits américains, dont le même temps, un tribunal turc a refusé de libérer le pasteur Andrew Brunson. Et donc, ces positions sont un peu les positions des deux présidents sont évidemment assez compliquées à vivre pour les peuples américains et turcs. Et qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de partager quelques extraits audio, comme je le disais tout à l'heure, mais ce qui compte le plus, c'est de connaître vos réactions, donc au 08 92 23 95 20. Esto es un sueño.